Au Parlement, bienvenue au Parlement qui a pris l'habitude d'organiser des débats, surtout sur deux sujets. Un sujet qui nous tient tous à cœur, qui est comment revivifier la démocratie, et j'y reviendrai, je serai d'ailleurs très bref. Et nous avons voulu aussi que ce Parlement puisse vivre un certain nombre de débats en rapport avec l'Europe et avec la construction européenne. Sur le plan du débat sur la démocratie, nous avons organisé une série de rencontres ces derniers mois afin de stimuler la réflexion sur le processus démocratique. Certains se rappellent peut-être que nous avons eu ici Pierre-Rosan Vallon, que vous connaissez évidemment de nom, politologue bien connu. Nous avons eu aussi Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste française, à l'occasion d'un colloque. Et je profite de l'occasion, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iets aan te kondigen, namelijk dat nous accueillerons prochainement pour le 25 octobre un autre colloque sur le thème de la démocratie, sa crise et ses remèdes. Et ce sera Pascal Perrineau, politologue et ancien directeur du CEVIPOL, qui sera parmi nous. Et en 2019, vieren wij het 30-jarig bestaan van het parlement en van het gewest. En we organiseren in samenwerking met architectuurstudenten één tentoonstelling over de visies van de democratie op het vlak van de architectuur en van de parlementen. Dus welk is de beste manier de parlementen en de gebouwen van de parlementen op te vatten om precies deze bekommernis van het democratische systeem en leven te bevorderen. Nous faisons aussi en sorte d'avoir des débats sur l'Europe et nous avons eu la chance d'accueillir précédemment Pierre Moscovici. Nous avons eu un débat entre Guy Verhofstadt et Paul Magnette et nous avons eu aussi d'autres commissaires européens qui sont venus nous rendre visite. Il me paraissait important, il nous paraissait important que l'Europe puisse aussi être débattue au sein du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Alors, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui des personnes que vous connaissez. We hebben het genoegen de Belgische Eurocommissaris, mevrouw Marianne Thyssen, belast met werkgelegenheid en sociale zaken, vandaag te ontvangen. En ook en aussi madame Esther Lynch, mevrouw Esther Lynch, confederaal secretaris van het Europees Verbond van Vakverenigingen. Alvast bedankt dat u op onze uitnodiging bent ingegaan. Merci à vous d'être là. Merci de participer à ce débat. Thank you for your participation to the debate. Et le thème, c'est un thème que nous avons choisi au sein du bureau du Parlement, c'était le thème de la protection sociale, parce qu'il nous a semblé important de nous interroger sur la manière dont les citoyens perçoivent l'Europe et la construction européenne, en n'oubliant pas qu'enfin l'Europe dans ses fondements est née avant tout pour protéger ses concitoyens. Il faut le rappeler sous quelle forme, c'est évidemment la question qui sera débattue aujourd'hui. Quelles sont les réponses aux peurs et craintes des Européens? Je pense que c'est tout à fait légitime et je pense que nous sommes bien sûr menacés par toute une série de périls et je crois que nous aurons l'occasion d'échanger cet après-midi. Vous aurez l'occasion d'échanger cet après-midi sur ce thème de la protection sociale qui nous paraît être un des fondements même de la crédibilité de la construction européenne. C'est pour toute cette raison que nous avons imaginé ce débat. J'espère qu'il nourrira la réflexion. Zo veel redenen hebben ons ertoe bewogen dit débat te organiseren en ik hoop dat het zeer leerzaam
Rijk wordt. Je suis sûr qu'il en sera ainsi. Alors, je laisse maintenant la parole à la modératrice du débat, à Madame Delvaux, rédactrice du journal Le Soir, vous la connaissez. Elle est coutumière de ce genre d'exercice, hein, c'est vrai. Et nous lui avons demandé, justement, d'animer ce débat. Je voulais encore une fois de plus vous remercier pour votre présence et vous souhaiter un débat enrichissant et fructueux. Ik dank u voor uw aandacht. Merci. Bon, le sommet des chefs d'État à Salzbourg, qui se déroule en ce moment, le prouve à souhait. La démocratie est en jeu avec l'accession au pouvoir de populistes ou de partis d'extrême droite ou leur montée en force dans les électorats. L'Europe est plus divisée que jamais et la fracture se porte aujourd'hui sur la question de la migration. Une question qui est placée par les partis populistes et d'extrême droite dans le contexte de la défense de l'identité, mais aussi de l'emploi. On l'a vu lors de l'échange récent entre le ministre luxembourgeois de l'Intérieur et le ministre italien Salvini. Ce dernier se réclamait de la nécessité de donner du travail à des Italiens nés d'Italiens et non à utiliser la manœuvre venue d'Afrique, qualifiée même d'esclave. Le ministre luxembourgeois répliquant sur l'engagement d'une main-d'œuvre italienne à l'époque pour combler le déficit de main-d'œuvre au Grand-Duché et permettre de nourrir des familles de migrants italiens à l'époque. On le voit, la question de l'emploi est centrale dans cette question de la migration et dans celle de l'avenir politique de l'Europe. On a d'ailleurs l'impression ces derniers temps, excusez-moi Madame la Commissaire, mais que ce sont davantage les ministres de l'Intérieur qu'on voit et qu'on entend sur ces problématiques que ceux qui sont en charge de l'économie ou de l'emploi dans leur propre pays. La précarisation, c'est un thème sur lequel justement se situe toute cette discussion, provoquée pour certains par l'arrivée des migrants, mais au départ était surtout mise en évidence par le fait qu'elle était provoquée par des migrants internes, entre guillemets, qui étaient ces travailleurs qui venaient de l'intérieur de l'Europe et qui soudain menaçaient par une compétitivité interne, une concurrence, les travailleurs du noyau dur de l'Europe et des premiers fondateurs. Résultat des courses, les citoyens se sentent précarisés, se vivent comme tels, et on regarde tous avec une certaine, on va dire, curiosité, pour certains angoisse, pour d'autres avec espoir, mais vers les élections européennes qui vont arriver, où le risque est que le message eurosceptique gagne du terrain, et parfois, comme le disent même les propres architectes de l'Europe, même parfois M. Juncker, parce que l'Europe elle-même a failli à redonner des réponses aux citoyens qui se les posaient déjà avant que la menace de l'extrémisme ne se pose. Ils se sont posés sur les vieillissements de la population, l'augmentation des inégalités, la transformation du marché du travail, le financement des soins de santé. Aujourd'hui, le travailleur européen, et ça, Madame Esther Lynch, nous vous interrogerons là-dessus, se sent peut-être même plus tellement un travailleur représenté par des organisations syndicales, mais peut-être se demande qui il a comme interlocuteur, et peut-être que c'est là aussi le fait qu'il entend d'autres voix que celles auxquelles traditionnellement il se référait. Je ferai référence à un livre qui s'appelle « Retour à Reims »,« Terug naar Reims », qui vient d'être traduit en néerlandais, dans lequel Didier Ribon, l'auteur, dit qu'en fait, non seulement il parle de la gauche en l'occurrence, mais qu'une série de partis et d'organisations n'ont plus été capables de défendre un « nous » collectif basé sur une relation liée aux enjeux économiques et que ce « nous » s'est déplacé vers les enjeux identitaires, faute pour certains d'avoir pu répondre aux questions sociales et économiques. C'est une question. Et cette question, nous allons aussi vous la poser. Et donc, je suis très heureuse, Madame Thyssen, de vous donner la parole et surtout de vous entendre, parce que c'est vrai, je pense que dans le concert général, votre voix s'est faite rare et on est intéressé à savoir où se trouve aujourd'hui la problématique de l'emploi et de la précarisation des citoyens au niveau de la Commission européenne et des enjeux entre les États membres. C'est vous d'abord qui avez la parole. Je signale simplement que vous aurez droit à poser des questions en fin d'exposé. Il y aura une demi-heure pour vos questions, donc notez-les, c'est moi qui les rassemblerai. Mais je ne suis pas la seule interlocutrice au cours de ce débat. Madame Nissen. Monsieur le Président, Madame Madame le Modérateur, Mesdames et Messieurs les députés, Dames et Heren,
In Brussel zijn er heel veel parlementen actief, zoals u weet, regionale, nationale, Europees parlement natuurlijk ook. In het ene kom ik al wat vaker dan in het andere, maar ik ben heel blij vandaag dat ik ook hier in dit Brussels parlementsgebouw, het hart van de Brusselse democratie, u mag toespreken en van gedachten mag wisselen. Dit parlement houdt zich bezig met heel veel dingen natuurlijk, met het leven en welzijn van de Brusselaars, met thema's als mobiliteit en huisvesting en lokale economie, maar natuurlijk ook met sociale uitdagingen als armoedebestrijding, scholing, werk. Heb ik in de digitale economie straks nog wel een baan, een job? Quit mijn pensioen? Kan ik mijn job combineren met de zorg voor mijn ouders of voor mijn kinderen? Hoe treden we op tegen gevallen van sociale dumping? Dat zijn vragen waar niet alleen veel Brusselaars mee leven. Dat zijn vragen die rondgaan in heel de Europese Unie. De bladzijde van de financieel-economische crisis die hebben we in Europa inmiddels omgeslagen. Maar dat wil niet zeggen dat alles is zoals we het willen zijn. Zeker op sociaal vlak staan we in Europa, overal in Europa, nog voor heel grote uitdagingen. Ten eerste, onze bevolking wordt diverser en wordt ouder. Globalisering, die zeker wel economische groei voorbrengt, maar ook een stuk onzekerheid. En dan is er nog de digitalisering, die zich aan een heel snel tempo voortzet. Dat betekent dat werk meer flexibel wordt, dat robots en algoritmes een aantal jobs zullen overnemen. Ze zullen ook nieuwe banen scheppen. Er komt ook nieuw werk. Er zullen jobs ontstaan die we vandaag nog niet kennen. Maar we weten dat er ook veel zullen verdwijnen en we weten ook dat de jobs die zullen blijven bestaan, zeker van taakinhoud, zullen veranderen. Dat zijn belangrijke uitdagingen van vandaag, de uitdagingen van onze generatie, die wij moeten aanpakken. Ik zeg altijd, elke generatie heeft zijn eigen taken en problemen, maar wij hebben er vast en zeker ook een aantal. En de vraag is dan, als u mij aanspreekt, is natuurlijk ook de vraag, ja, wat kan Europa doen? Hoe kan Europa eraan bijdragen om goede antwoorden te vinden op die uitdagingen? Met deze commissie, met de commissie Jonker, zijn we gestart in 2014 en zijn we ons werk gaan uitbouwen, sociaal-economisch, op basis van een triptiek. We hebben gezegd, ja, wij gaan voor jobs, werk, fairness en vernieuwing van de democratie. En wat het sociaal-economische betreft, hebben we gezegd, één, we gaan voortbouwen op de fiscale, budgettaire verantwoordelijkheid die door de voorgangers is gevraagd en afgesproken. We gaan daar verder op inzetten, want die is nodig om een voldoende financiële stabiele basis te hebben waar de rest op kan verder bouwen. Maar we hebben wel gezegd, en dat hebben we ook van in het begin gedaan, januari 15, we kijken hoe we maximum ruimte laten voor investeringen en we zijn ook flexibel genoeg om niet telkens al te streng op te treden. Er is altijd een marge en ik denk dat we van jaar tot jaar getoond hebben dat we daar ook verstandig mee omgaan. Tweede luik van die triptiek, we zetten verder in op structurele hervormingen, maar hebben we met deze commissie gezegd, met veel meer aandacht voor het sociale dan voordien het geval was. Dat is niet direct een verwijt naar onze voorgangers, maar wij hebben de bladzijde van de crisis kunnen omslaan. Daar hebben zij zich moeten op concentreren en wij kunnen zeggen, nu moeten we terug vooruit kijken en dan moeten we toch wel eens kijken waar we sociaal staan, hoe het sociale ervoor staat. En wij hebben daar zelf een derde luik aan toegevoegd en dat is het investeringsluik. Omdat we gezien hebben doorheen de crisis dat de investeringen, privé en overheid, in zijn globaliteit met 20% waren teruggelopen. Wie zegt, ja, we moeten vernieuwen. Wie zegt, we moeten economisch competitief zijn. We moeten jobs creëren, zorgen dat de mensen goede jobs hebben, met goede lonen en goede arbeidsvoorwaarden. Die moeten natuurlijk ook voor zorgen dat er geïnvesteerd wordt. We hebben er dus een investeringsluik aan toegevoegd, met onder meer, maar niet alleen, dat het Jonkerfonds, dat met een beperkt stuk van het Europees budget een hefboom moest worden om privé slapend kapitaal wakker te maken en te investeren. En we zien dat dat gewerkt heeft. We zijn op dit ogenblik bijna aan 400 miljard extra investeringen. En die waren ook hoog nodig. En we hebben gezegd, ja, we gaan daarmee verder. Nog onder deze legislatuur komt er nog budget bij. En in het nieuwe MFF, meerjarenfinancieel kader, wordt daar ook verder op verdiept. Nu, ons model
wat wij hanteren sociaal-economisch is sociale markteconomie. Omdat we daarvoor staan, maar we zijn het eigenlijk zelfs verplicht voor diegenen die er geen liefhebber van zouden zijn, want dat staat sinds het verdrag van Lissabon uitdrukkelijk in het verdrag. En dat zegt, het basisidee daarvan is dat sociale vooruitgang en economische groei samengaan. Samen moeten gaan, maar ook samen gaan, omdat we erin geloven dat die elkaar versterken. Het ene of het andere zal nooit werken, je moet ze alle twee hebben. Nu meer concreet, waar staan we vandaag of wat zien we vandaag? Dat er toch de laatste jaren, als wij vergelijken dan altijd met het jaar waarin we gestart zijn, we zien dat we, als we kijken naar het aantal mensen aan de slag, hebben we 238,9 miljoen mensen aan het werk. Zoveel hebben we er nooit aan het werk gehad in de Europese Unie. Ons werkloosheidspercentage zit vandaag op 6,8%. Dat is het laagste dat we gekend hebben sinds het jaar 2000. Maar dat wil niet zeggen dat alles oké is. Want als we kijken naar de verschillende lidstaten en de verschillende regio's, dan zien we heel grote verschillen. Er zijn landen die met werkloosheidspercentages van boven de 20 zitten. Er zijn er die met een werkloosheidspercentage van onder de 3 zitten. Dus er is zeker nog veel werk aan de winkel. We hebben de strijd opgevoerd tegen jeugdwerkloosheid, die gelukkig ook heel snel achteruit gaat, ook hier in Brussel. Dus ook hier goed beleid, goede aanpak, ook Actiris die heel hard werkt. Jeugdwerkloosheid is gedaald tot 14,8%. Dat is nog altijd veel te veel natuurlijk, maar we hebben weinig jaren gekend waar dat beter was. Maar als we alleen al kijken naar het laatste jaar, van juli 17 tot juli 18, zien we dat jeugdwerkloosheid gedaald is met 466.000. 466.000 jonge mensen hebben dus het laatste jaar een job gevonden. En dat moet ons hoopvol stemmen en aanmoedigen om verder te gaan en om te zorgen dat we dat cijfer nog verder kunnen opdrijven. We zetten de lidstaten ook aan om langdurige werkloosheid aan te pakken. We maken van onderwijs, opleiding, levenslang leren een prioriteit. En dat is echt een heel belangrijke sleutel voor de toekomst. Soms zeggen we dat is eigenlijk ja, de munt van de toekomst. Als je dat niet hebt, kan je niks betalen, niks kopen, want je raakt niet aan een job. We maken ook iedereen bewust van het belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek. We hebben daar gezegd, we gaan niet regels veranderen. We gaan ze wel evalueren en wat misschien hier of daar eenvoudiger maken of bijsturen. Maar ons uitgangspunt is zorgen dat de regels toegepast worden. Want er is heel veel, er zijn 24 richtlijnen op vlak van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Maar wat we zien als er problemen zijn, is dat de regels niet toegepast worden. Dus we hebben de lidstaten aangemoedigd vooral ook daarop in te zetten. En vanuit ons eigen agentschap voor veiligheid en gezondheid, EU-OSHA, een agentschap dat zijn zetel heeft in Bilbao, wordt er heel hard gewerkt om kleine bedrijven ook te helpen een risicoanalyse te maken. Worden er gidsen uitgegeven om te zeggen, ja, hoe pak je dat aan, veiligheid en gezondheid? Daar wordt samengewerkt met de sociale partners. En we hopen dat we op die manier de regels beter kunnen afdwingen, want daar hebben we, zoals u, als het mij vraagt, in heel veel sectoren nodig is, ook de sociale partners voor nodig van de twee kanten. Maar wat we wel wijzigen in de wetgeving op veiligheid en gezondheid op de werkplek, is de blootstelling op de werkplaats aan carcinogene stoffen. Omdat daar nog eigenlijk weinig gebeurd was de voorbije jaren. We zijn nu aan onze derde badge bezig, de derde lijst met carcinogene stoffen. En ik hoop dat we zelfs nog een vierde kunnen lanceren onder deze legislatuur. Want daar kunnen we de mensen beter beschermen en dat moeten we ook doen. En dat kan op een verschil leiden. Natuurlijk, dat is iets dat zich traag innestelt. En we kennen allemaal de asbestperiodes nog. Dus dat is iets wat jaren kan duren vooraleer zich dat uit. Maar onze studies wijzen uit dat we op een 30, 40 jaar tijd honderdduizenden levens daarmee kunnen redden of sparen. Dames en heren, wat ik hier heb opgenoemd zijn belangrijke werkvelden. Het is niet alles, maar anders ga ik ook mijn tijd fel overschrijden. En er moet zeker ook ruimte zijn voor de tweede spreker en voor vraagsteller. Maar er is natuurlijk nog veel meer dan dat. Maar bij twee terreinen wil ik graag vandaag toch even verder stilstaan. Twee terreinen waar we bij uitstek Europees moeten optreden en dat is in de eerste plaats de arbeidsmobiliteit en in de tweede plaats de aanpassing van onze arbeidsmarkt en onze sociale systemen aan de nieuwe vormen van werk, gelet op digitalisering, flexibilisering enzovoort. Als ik mag beginnen met arbeidsmobiliteit, in 10 jaar tijd is de arbeidsmobiliteit in Europa verdubbeld. We zijn nu met meer dan 17 miljoen mensen die wonen of werken, of wonen en werken in een andere lidstaat dan diegene waar ze opgegroeid zijn en allicht de nationaliteit van hebben. En Jean-Claude Juncker heeft mij gevraagd van bij de start
als ik mijn missie met hem afgesproken heb, om een evaluatie te maken van de wetgeving die betrekking heeft op de mobiele werknemers, zowel arbeidsrecht als sociale zekerheid. We hebben dat gedaan en we hebben onder meer op vlak van de Europese wetgeving voor detachering van werknemers, over detachering van werknemers, die meer dan 20 jaar oud was, vastgesteld dat die inderdaad niet meer à jour was, dat er duidelijk een aanpassing moest gebeuren, want dat daar een aantal tekorten, onduidelijkheden, onrechtvaardigheden in zaten. En dan hebben we het initiatief genomen om die wetgeving niet alleen te evalueren, maar ook te amenderen. En we hebben daar altijd systematisch bij elk van die mobiliteitsdossiers dezelfde lijnen gevolgd. Wetgeving rechtvaardiger maken, zorgen voor meer rechtszekerheid en zorgen voor een effectieve handhaving. Alle drie die elementen zijn belangrijk. We zijn dan begonnen met de detachering van werknemers. We hebben ook werk gemaakt van wijzigingen aan de Europese verordening op de coördinatie van de sociale zekerheidssystemen. En als laatste element van mijn mobiliteitspakket is er het voorstel voor een Europese arbeidsautoriteit. Nu, die detachering, wat was daar de kernboodschap eigenlijk? We hadden vroeger een richtlijn die zei, als iemand gedetacheerd wordt naar een ander land, dan moet die minimum toch het minimumloon van dat land uitbetaald krijgen. Het was niet altijd duidelijk hoe dat minimumloon was vastgesteld, wat dat precies was. Voor sommige sectoren golden ook afspraken die gemaakt waren bij cao's. Voor andere sectoren was dat niet verplicht. Landen passen dat ook verschillend toe. Er was heel veel beterschap mogelijk en die hebben we ook aangebracht. Maar de kern van de zaak was dat wij gezegd hebben, het gaat er niet om van het minimumloon te geven aan iemand die gedetacheerd wordt, die tijdelijk door zijn werkgever uitgestuurd wordt om een dienstenopdracht uit te voeren in een andere lidstaat. Nee, die moet daar alle regels van de remuneratie, van alle regels op remuneratie kunnen genieten, precies zoals de lokale werknemer. Dus alle regels over verloning, of ze nu voorzien zijn in algemene sociale akkoorden of in de wetgeving, niet alleen minimum rate of pay, minimumloon, maar al de rest, bonussen, surplussen, zaken die moeten betaald worden aan de werknemer enzovoort, op alle vlakken moeten ze gelijk behandeld worden. Dat was geen gemakkelijke klus. Toen ik daaraan begon, toen ik nog niet aan mijn voorstel, met mijn voorstel naar buiten kwam, werd er wel wat gelachen, ook in België, van daar durft ze nooit mee komen, want dat gaat nooit lukken. Toen ik met mijn voorstel kwam, waren veel mensen die zeiden, ja, dat is goed, moedig, geprobeerd, maar het zal toch niet gemakkelijk zijn om dat erdoor te krijgen. En ik heb ook veel weerstand ondervonden. Ik heb heel veel afgereisd, moeten spreken, blijven spreken. Op een bepaald ogenblik heb ik gele kaarten gekregen van 1/3 van de parlementen. En dat betekent dat we ons procedure moeten stopzetten, opnieuw ons voorstel herbekijken, terugtrekken, aanpassen of ermee voortgaan. Het was nog maar de 3e keer in de geschiedenis dat die procedure werd toegepast. 1 keer heeft men zijn voorstel teruggetrokken, de 2e keer heeft men het aangepast. Ik heb gezegd, het gaat hier niet over subsidiariteit, want dat werd ingeroepen. Europa zou niet bevoegd zijn, alle leden waren goed. We hebben gezegd, al die argumenten gaan we stuk voor stuk aan al die parlementen uitleggen en weerleggen. En we veranderen geen punt of geen komma aan het voorstel, want daar is geen probleem en dit willen we realiseren. En dat heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. We hebben steun gekregen van mensen die ervoor waren, ook van sociale partners, een aantal lidstaten die ons daarbij sterk gesteund hebben natuurlijk. Maar ik ben vooral trots op het eindresultaat, want we hebben die wet kunnen omzetten. We hebben een akkoord bereikt in het Europees Parlement met een grote meerderheid, maar ook in de ministerraad hebben 22 van de 28 lidstaten voorgestemd. Dat wil zeggen dat we begonnen zijn met een gap tussen Oost en West. Westerlingen wilden een wijziging. Oosten zag dat als een aanval op hun sociaal-economisch model, zullen we maar zeggen. Finaal hebben we veel mensen kunnen van overtuigen dat het niet gaat om een kloof tussen Oost en West, dat het niet gaat om het aanvallen van een model, maar dat het gaat om de essentie van onze interne markt. En de interne markt, ook als het gaat over vrij verkeer van diensten en personen, is een gereglementeerde interne markt. Dat is geen jungle, niet het recht van de sterkste, daar zijn regels. Die regels moeten fair zijn, die moeten toegepast worden en afdwingbaar zijn. En zo zijn we er uiteindelijk toch toe gekomen met een grote meerderheid die wet, die wijziging van die wet goed te keuren. En kunnen we nu zeggen, gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek, dat geldt. Een tweede onderdeel van dat pakket mobiliteit was coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Dat is een van de oudste verordeningen van de Europese Unie. Ik geloof verordening nummer 4 of zoiets. En die is regelmatig herzien, maar ook dat was lang geleden. De realiteit wijzigt, je ontdekt gaandeweg problemen. Dus ook daar hebben we een voorstel gedaan
om die coördinatie beter te laten verlopen, om ook de controle in de lidstaten op het al dan niet gedekt zijn van de sociale zekerheid van een mobiele werknemer in het land van herkomst enzovoort, hebben we veel kunnen verbeteren. Het gaat over als men naar een andere lidstaat gaat en men wordt daar werkloos, ja, welk land betaalt dan de werkloosheidsuitkeringen? Kan men de tijd die men gewerkt heeft in een ander land mee laten optellen met de gewerkte tijd in het nieuwe werkland om te zien of iemand aan de voorwaarden voldoet? Ja, dus. Hè. Als men met een pensioenrechten, daar hebben we al meeneembaarheid van, maar bijvoorbeeld grensarbeiders, die werken in één land, wonen in een ander land. Wie betaalt de werkloosheid als die mensen werkloos worden? Wie zorgt voor de activering van die mensen? Ik ga niet in alle details, want dan ben ik meer dan een uur bezig. Als u er vragen over hebt, moet u het maar vragen. Maar dat dossier zit goed gevorderd. In de Raad van Ministers heeft men zijn positie ingenomen. Het parlement is nog aan zijn rapport bezig. En ik ben er vast van overtuigd dat we dat ook binnen de komende maanden helemaal kunnen afronden. En dan is er een derde pakket in die mobiliteit en dat gaat over betere handhaving. De lidstaten ondersteunen in hun handhavingstaak. De inspectie van sociale wetten moet gebeuren in het land waar gewerkt wordt. Maar in grensoverschrijdende elementen hangt men voor een stuk van elkaar af. Moet men informatie hebben van elkaar? Dat loopt niet altijd zoals het moet. Dat gaat niet vlot genoeg. Wat wij willen doen nu is op operationeel niveau een dienst uitwerken in Europa waar we liaison officers hebben van de verschillende lidstaten die dag in dag uit samenwerken, zodanig dat de informatie die men moet hebben in het kader van een controletaak veel sneller en efficiënter wordt doorgespeeld en zodanig dat we ook het veel gemakkelijker maken voor inspecties van één lidstaat om gezamenlijke inspecties te organiseren met een andere lidstaat in grensoverschrijdende situaties. Nu moeten lidstaten dat allemaal zelf organiseren en we zien, gelukkig is ons land daar heel actief in, men sluit dan memorandums of understanding af met andere lidstaten, maar dat is telkens van een lidstaat naar een andere, of soms met drie te samen. De Benelux hebben dat gelukkig samen gedaan. Maar we krijgen weer een heel gefragmenteerde markt. Sommigen werken daaraan, anderen niet. Voor ons moet die overal afdwingbaar zijn. Inspecties moeten overal kunnen. Dus vandaar het voorstel voor een Europese arbeidsautoriteit. Parlement en ministerraad zijn daarover aan het spreken nu. En ik hoop dat we dat ook binnen de komende maanden kunnen afsluiten. We dringen erop aan bij de Oostenrijkers dat ze minstens al tot een akkoord komen op het niveau van de ministerraad. En het parlement is heel erg gemotiveerd om hier ook zijn werk van te maken. Mesdames et messieurs, outre la mobilité des travailleurs, il y a un autre domaine dans lequel une approche européenne est indispensable. J'ai déjà évoqué la nécessité pour nos marchés de travail et nos systèmes de protection sociale de s'adapter aux défis du 21e siècle tels que la mondialisation, la numérisation et le vieillissement démographique. À cette fin, nous nous sommes dotés d'un guide solide, le socle européen des droits sociaux. Proclamé en novembre dernier par tous les États membres, le Parlement européen et naturellement la Commission, puisque c'était nous qui avions fait la proposition. Ce socle contient 23 et principes, valeurs on peut dire, regroupés autour de trois axes, trois objectifs principaux. D'abord, l'égalité des chances en matière d'éducation, de formation tout au long de la vie. Deuxièmement, l'équité des conditions de travail. Et troisièmement, l'accès de chacun à une protection sociale. Les droits inscrits dans ce socle servent de référence, de boussole, si vous voulez, pour plus de convergence des États membres, naturellement, convergence vers le haut. Et le socle doit aussi nous aider, tous, à nous préparer au nouveau monde du travail. Comme vous le savez, la compétence en matière sociale revient principalement aux États membres. Ce sont eux qui sont en première ligne pour faire du socle européen une réalité avec des partenaires sociaux et la société civile. Mais la Commission européenne a bien sûr aussi son rôle à jouer. Premièrement, nous encourageons et coordonnons le travail des États membres. Nous faisons cela dans le cadre du semestre européen. C'est notre cycle annuel de coordination des politiques macroéconomiques des États membres. Et cet exercice du semestre sert à analyser pour chaque État membre ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et nous formulons des recommandations sur ce qui doit être mieux fait. Cette année-ci, le semestre est devenu beaucoup plus social. Il est plus social que jamais.
Parce que depuis cette année, nous avons introduit un tableau de bord social qui était un accompagnement du socle. Et ce tableau de bord mesure la performance sociale des États membres dans la mise en œuvre du socle social. Ces données sont à la base de nos rapports et recommandations spécifiques pour les États membres. Et les États membres peuvent naturellement aussi compter sur les fonds européens pour soutenir leurs réformes. Dans le prochain cadre budgétaire pluriannuel, nous proposons même de renforcer le lien entre les fonds alloués et les réformes recommandées. Mais, comme vous le savez très bien, la coordination des politiques et nos fonds ne suffisent pas. Parfois, il y a clairement un besoin impérieux de réglementation sociale au niveau européen, et là où nous avons des compétences, on le fait. Tout d'abord, il y a le vieillissement de la population. De plus en plus de personnes doivent compter sur nos systèmes sociaux, tandis que de moins en moins de personnes y contribuent. On a besoin de plus de personnes qui sont actives sur nos marchés de travail. Et en même temps, on constate que les femmes restent moins présentées sur le marché du travail que les hommes. C'est toujours la vérité. Le taux de travail des femmes est de 11% plus bas que celui des hommes. Et cet écart dans la participation au travail coûte à l'Europe 2,8% du produit intérieur brut chaque année. Pour ceux qui comptent seulement l'économique et pas le social, je trouve qu'en soi, même sans cette urgence économique, disons, il faut donner l'opportunité aux femmes d'être mieux représentées sur le marché du travail. Ce qu'on constate, c'est qu'il existe toujours un écart salarial entre les hommes et les femmes, un écart entre les retraites salariales, c'est un écart de toujours 16%. L'écart des retraites entre les retraites, c'est 36%, un peu plus de 36%. Et on constate qu'il y a un vrai fossé de soins, c'est-à-dire une répartition inégale des tâches de soins entre hommes et femmes. Et c'est une des causes du faible taux de participation des femmes au marché du travail. Et c'est pourquoi que j'ai lancé une proposition pour un meilleur équilibre entre travail et les tâches de soins. Nous voulons que tous les employés en Europe aient un droit à un congé de paternité, à un congé parental de 4 mois non transférable et à un congé de soins. En plus du vieillissement, le monde du travail évolue. On le voit dans les rues de Bruxelles, vous pouvez commander un taxi avec une application mobile ou commander de la même façon un repas et même un babysitter. Ces plateformes apportent croissance et emploi, c'est vrai, mais si nous ne faisons pas attention, elles apportent également un prolétariat de plateformes. Nous voulons que les travailleurs vulnérables de la nouvelle économie voient clair. C'est pourquoi que j'ai élaboré une proposition qui établit un minimum de transparence et de prévisibilité pour tous les travailleurs en Europe. Nous faisons en sorte que les travailleurs soient aussi parfaitement au courant de leur relation de travail dès le premier jour et pas comme on demande au niveau européen aujourd'hui, au début du troisième mois de travail. Nous travaillons également sur l'accès à la sécurité sociale pour tous, parce que aussi cela n'est plus évident. La notion d'un emploi pour la vie laisse de plus en plus la place à celle d'une vie d'emploi. Les gens changent d'emploi et de statut plus qu'avant et plusieurs fois au cours de leur carrière. Et les trous dans une carrière peuvent mener à des lacunes dans la couverture de la sécurité sociale, et c'est quelque chose qu'on doit éviter. Donc on sait que ceci n'est pas seulement un problème pour les travailleurs. Si moins de personnes contribuent au système de sécurité sociale, les systèmes même sont mis sous pression. Donc on doit être très prudent, et c'est la raison pour laquelle en mars dernier, j'ai proposé une recommandation aux États membres: rendre l'accès à la protection sociale possible pour tous. Et c'est aux États membres, naturellement, de faire le design et décider du financement de tout ça. Mais nous avons deux exigences. D'abord, la couverture doit être adéquate et, élément clé dans la nouvelle économie, la couverture doit être transférable d'un statut à l'autre et le système doit être
très transparent pour que les gens soient exactement au courant des conséquences de leurs décisions professionnelles. Mesdames et messieurs, dames en heren, we staan in alle lidstaten voor dezelfde uitdagingen. Het is logisch dat we die samen aanpakken. Met deze commissie hebben wij de richting aangegeven. De Europese pijler voor sociale rechten vormt een gezamenlijk kompas. Om meer convergentie te krijgen op sociaal vlak tussen de lidstaten, en dat is nodig op een interne markt, dat is zeker nodig in een muntzone, maar ook om onze oude instellingen, onze oude sociale instellingen die uitgaan van iedereen heeft een standaardcontract, werkt voltijds, heeft een contract van onbepaalde duur en verandert niet te veel van wetgevers. Omdat we weten dat dat allemaal veranderd is, moeten we ook onze oude instellingen evalueren en kijken of die nog voldoende nut hebben en hun doel kunnen bereiken als we leven in die nieuwe economische wereld. We hebben ook concrete veranderingen doorgevoerd voor een eerlijke interne markt, zonder sociale dumping en om Europa uiteindelijk klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin die nieuwe vormen van werk gelijk moeten staan aan kansen in plaats van bijkomende en ondraaglijke sociale risico's. En of we nu in de Wetstraat zijn of in de Lombardstraat of op het Schumannplein, ik hoop dat we daar verder samen werk van kunnen maken, want het is alleen samen dat we van dat sociaal Europa of van een fair Europa werk kunnen maken en dat we kunnen zorgen voor dynamiek en sociale bescherming tegelijk. Uiteindelijk gaat Europa over meer dan markt en munt en al die economische termen. Alleen Europa gaat in de eerste plaats om mensen en dat is iets wat we met deze commissie ook permanent benadrukken en waar ook al mijn collega's van overtuigd zijn. Dank u wel. Vous devez rester, madame la commissaire. Madame la commissaire, je crois que vous devez rester là, le temps que je vous pose quelques questions. Comme ça, on vous verra mieux. Je ne vais pas les faire trop longs parce que je pense que le temps s'est un peu échappé. Oui, ça, on voit. J'avais alors peut-être plus une question à vous poser sur le processus de décision. Donc vous avez expliqué en fait combien c'était indispensable que vous ayez obtenu cette révision de la directive sur les travailleurs détachés, mais vous avez surtout expliqué combien ça avait été difficile. Alors, est-ce que votre expérience maintenant, aujourd'hui, c'est que le processus de décision est trop lent, trop compliqué, et vous a empêché de faire des choses que vous auriez voulu faire plus spectaculaires, plus rapidement et plus efficaces ? Est-ce que le processus de décision européen est adapté aux nécessités du moment et à l'impatience des gens ? Bon. Si je voulais faire, ceux qui lancent une idée ou une proposition pensent naturellement que c'est la meilleure des choses. Hein. Donc, si on me laisse faire, je fais le publier immédiatement dans notre journal officiel, disons. Mais nous vivons dans une démocratie et dans une démocratie, on a besoin de s'écouter l'un de l'autre. Donc, on travaille avec le Parlement européen et avec plaisir. Ce Parlement fait aussi un très bon travail. On parle avec les ministres, les gouvernements de tous les États membres, le Conseil, et on a besoin des partenaires sociaux parce que sans les partenaires sociaux, la législation souvent n'est pas implémentée comme il faut. Donc c'est un processus qui peut durer un peu. Mais ceci étant dit, ce que je constate, et là aussi je suis quand même pas malheureux, je sais que ça, pour les gens qui voient ça à une proposition, bon, ça va encore durer, etc. Mais on a lancé la proposition et on a voté la proposition et tout ça s'est fait en dehors de 2 ans. On a encore un temps de transposition, encore 2 ans. Quand on a fait en 96 la directive qui est entrée en vigueur dans les années 90, on a commencé à préparer la directive en 91. Et c'était applicable à partir de 99. Donc, on l'a fait dans la moitié de temps. Et donc, ça veut dire qu'on a bien travaillé, je pense, avec les difficultés qu'on a. Mais pour avoir une législation ou une loi qui est vraiment appliquée, je pense que la loi doit pas seulement être bonne, mais aussi acceptée. Pas seulement acceptable, mais aussi acceptée, sinon ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas vous poser des questions de détail, parce que ce serait pour chaque sujet, on pourrait rentrer dedans, mais la question que je posais au départ en introduisant cette séance,
Est-ce que vous ne dites pas, finalement, ce travail qui était important, qu'on attendait et qui était considéré comme étant un moment très important de la décision européenne par rapport à la cohésion européenne, au fait de rassurer les gens sur le fait que l'Europe prenait soin des travailleurs, a été totalement occulté par la question migratoire? On a l'impression que c'est inaudible. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être encore entendu, ou est-ce que la migration vous a tout pris, finalement? Je dis souvent, qu'est-ce qui est top of mind aujourd'hui, c'est le Brexit et c'est la migration. Moi, j'essaie de dire à chacun qui veut m'écouter ou qui veut m'entendre, il ne faut pas se tromper. Beaucoup de gens, et on voit ça aussi quand on fait des sondages, beaucoup de gens ont toujours le travail, la sécurité sociale, leur futur comme problème numéro 1, 2 ou 3. Parce que les gens voient que l'économie change, on a la digitalisation, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est du bon ou c'est du mauvais? Ou c'est un peu de tout ça? Mais moi, je pense qu'on doit tout le temps continuer à parler de ça aussi aux gens, leur montrer que nous, on n'a pas la réponse non plus. Peut-être une partie, oui. L'éducation, la formation, ça, c'est absolument important. Les gens doivent avoir des possibilités de lifelong learning, hein, donc une formation tout au long de la vie, c'est absolument nécessaire, mais on doit montrer aussi aux gens qu'on travaille sur ce terrain, qu'il y a des modifications qui peuvent être très radicales, mais qu'ils ne sont pas laissés seuls, qu'on les accompagne, qu'on change les systèmes, qu'on suit tout ça, et je pense que ça c'est très important, parce qu'on sait que quand il y a une transformation dans une vie professionnelle de quelqu'un, c'est toujours un moment où les gens sont vulnérables. Oui, donc là, les services, la sécurité sociale, l'éducation, la formation doit être là pour accompagner ces gens. Alors, vous dites que c'est votre préoccupation. Maintenant, je vais prendre deux exemples qui montrent qu'on peut s'interroger sur le fait de l'efficacité de ce désir et de cette volonté d'accompagner les gens dans leurs défis professionnels et au marché du travail. Un, vous avez une collègue, Madame Vestager, dont on dit évidemment qu'elle agit, et qui marque les opinions parce qu'à certains moments, elle a le moyen de punir ceux qui contreviennent aux règles dont elle a la charge. On n'a pas l'impression que ça se passe quand les mêmes types d'opérateurs, par exemple, contreviennent aux règles sociales. On n'a pas l'impression qu'à un moment donné, on les punit de la même façon, on les montre, on les dénonce de la même façon. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça vous aiderait d'avoir ce levier aussi de pouvoir mettre au clou et au pilori quelqu'un qui ne respecte pas les droits sociaux? Oui, mais les règles de concurrence, le secteur de Mme Vestager, ça, là, on a une compétence exclusive au niveau européen. Donc, ça veut dire que la Commission doit regarder et agir quand il y a quelque chose qui ne cloche pas. Les règles de droit social, le droit du travail et la sécurité sociale et le dialogue social et tout ça, là, les États membres ont beaucoup de compétences. Donc, on a trois instruments, disons, hein, pour l'organiser. C'est un, on a la législation, là où on a des compétences, on le fait depuis longtemps déjà, parce que c'est dès le début qu'on a de la législation sociale sur certains terrains. Deux, on a les fonds pour aider les États membres à faire des réformes nécessaires dans l'entrée du social. Et troisièmement, on a naturellement notre méthode de coordination. Je dois dire, avant, il y a quelques années, moi, je pensais toujours un peu coordination, bon, à quoi ça aide, hein? Maintenant, je vois que c'est vraiment un instrument qui est assez fort, peut-être pas très visible, mais on a un levier. On met les États membres ensemble, pas souvent les ministres, mais les gens qui travaillent aux administrations, chez les partenaires sociaux, ils se mettent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils échangent, ils font des benchmarks, on va mesurer le résultat, etc. C'est ce qu'on fait avec le semestre économique et social maintenant, et ça aide. On n'a pas les mêmes instruments, mais c'est aussi la volonté des États membres qui ont dit, en ce qui concerne le marché intérieur, contrôle, c'est home control. C'est nous qui faisons l'inspection. Ce que nous pouvons faire et voulons faire avec notre proposition de l'Agence européenne pour le travail, disons, de European Labour Authority, c'est qu'on veut faciliter le travail des inspecteurs nationaux, des travailleurs ensemble, de faire des choses ensemble, au même moment, etc., pour renforcer le contrôle. Alors, heureusement, alors on dirait dans ce contexte-là, quand il faut vraiment agir sur une entreprise qui a établi une sorte de pratique sociale propre qu'est les syndicats, finalement, parce que est-ce que la grève Ryanair n'est pas, voilà, le meilleur
moment pour faire progresser des droits sociaux et qui, quelque part, dit un peu l'impuissance de la Commission à finalement mettre en pratique ce que vous dites, parce que les éléments théoriques que vous avez énoncés sur la flexibilisation du travail, etc., c'est exactement ce qui est dénoncé pour partie dans les pratiques de la société Ryanair. Quel est votre avis? Est-ce que vous trouvez que les syndicats ont bien raison de faire leur première grève européenne ou vous trouvez ça absolument idiot? Oui, mais là, je dois dire, là, on ne doit pas regarder qu'on a un manque d'instruments. La première chose, c'est qu'on doit appliquer la législation. Et la première question pour une entreprise qui est active sur tout le marché intérieur, c'est quelle loi doit être appliquée? Quelle législation est applicable? Et là, c'est clair. Et pour ceux qui n'étaient pas, qui n'étaient pas sûrs, notre Cour de justice à un arrêt d'il y a déjà 2 ans qui a dit très clairement c'est le lieu the habitual place of work de ceux qui travaillent pour Ryanair. Donc ça veut dire pour le personnel qui part en Belgique et qui rentre en Belgique, c'est la loi belge. Donc les Belges et les syndicats ont ils ont raison d'agir. Je pense que beaucoup de ça, donc ça, vous savez ce qui se passe dans la réalité, donc ça se passe. Les gens sont contents d'avoir, fiers de travailler chez, etc. Et des travailleurs de Ryanair, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a des problèmes et qui sont toujours fiers qu'ils travaillent là-bas. Hein. Mais on doit respecter les règles. Mais au début, on entend des choses, on n'est pas sûr, quelqu'un dit quelque chose, les autres pas. Au début, on n'ose peut-être pas parler, etc. Mais au moment où les choses deviennent plus claires, aussi sur la législation applicable, et ça devient un cas devant la Cour de justice, tout le monde est au courant. Donc les gens commencent à parler plus haut, à voix plus haute. Ils vont chez leurs syndicats. Les syndicats sont engagés. Et maintenant, on va voir, j'espère, j'étais déjà contente de voir que Ryanair a écrit une lettre, pas seulement au syndicat hier. Madame Bulc et moi-même ont aussi reçu une lettre en disant on va commencer des négociations, etc. Donc j'espère que c'est le début aussi chez nous d'un dialogue social, parce que c'est là qu'on doit régler les choses. Mais naturellement, on ne doit pas négocier sur les règles de base, et ça veut dire qu'on ne doit pas négocier sur la loi qui est applicable, parce que ça, c'est la législation, on ne peut pas aller en dessous. Ok, bonjour, merci. On va laisser la parole alors au syndicat qui vous aide à faire votre travail. Donc, Madame Esther Lynch, the place is yours. So, good afternoon and thank you, President, members of Parliament, distinguished guests, colleagues and friends. I can't tell you what an honour it is for me to be here today. It's always, always a privilege to represent working people, but it's a particular privilege to do so in my hometown of Brussels now, where I live. When I was preparing for today, I said this is going to be a very challenging event for you, because I very much admire Commissioner Tyson. She's one of the few commissioners who we can rely on, who always meets us, always takes our calls and tries to listen to us. But I'm here to debate an important issue, and the issue I'm here to debate is what is the European Union really doing for working people? Where is our social Europe? And the argument I want to put to you today is this, is that there's nothing so wrong with Europe that it can't be fixed with what's right about Europe. But time is running out. Workers are losing patience and they're losing faith in the project. All politics is personal. Your parents would have probably been part of movements to try and improve the lives of working people, whether as feminists standing up for the right to equal pay, or standing up for pensions, for health and safety, for the weekend, for time off, for transport, for homes, for housing, for health. And our parents did a really good job, because if I think of the life of my parents when they were at work, it was much harder than my working life. Because of membership of the European Union, I have had maternity leave, I've had parental leave, I have health and safety, I've had equality pay. I can put up my hand and I can say I must be respected at work, and I will be respected at work.
My working life is so much better than my parents' working life, and a large part of that is because of membership of the European Union. But when I look at the working life of my son and his friends, their working life, it has more in common with my parents than it has with me. The type of platforms that the Commissioner was talking about, whether it's to deliver pizza, whether it's to drive a car, whether it's to give intelligent advice about how to build a bridge, those platforms are creating conditions of employment that deny workers the fundamental basics. They deny workers the fundamental basic of protection when you're sick. You can't get equality rights. You don't know day to day, often hour to hour, whether you're going to have any work. For lots of workers, they sit with their phone waiting for their app to go beep and say, come into work. Imagine a restaurant. My son's a chef, so I know something about this. So imagine a restaurant. They send you a text to say, we need you for work. Person gets dressed, goes into work with the hope of being able to bring into the world what they've trained for. The owner looks around and says, it's quieter today than I expect it to be. I don't really need you. Go home. And if we can't prohibit that type of practice on our watch, you're all leaders here. If we can't stop that, what would our parents and our grandparents think of us? As parliamentarians, we really need to stand up to the challenge, get up to the plate, and to ban that type of practice. And then encourage the Commissioner again to look at the transparent and predictable working conditions directive proposal that you've brought forward, because that's a real possibility. But if it's cut to death by national parliaments and turned into something that is so complicated and difficult for people to get their hands on, and if it doesn't stop that practice of people being called into work and being sent home with no right to compensation for that, it's hard to know how having transparent knowledge that that's what's going to happen to you really changes very much. Because the truth at the heart of insecure work is this, is it doesn't just make it difficult for you to know day to day, week to week, month to month, if you're going to be able to afford the mortgage. It works like a monster eating underneath all your other rights. Because I'll often say to my friends and to my son and his friends, I'll say to him, you don't have to put up with that. They'll describe bullying at work. They'll describe sexual harassment at work. They'll describe very harsh treatment. They'll describe ridiculous monitoring, minute to minute, second to second, can't cough, can't scratch, have to keep up, 5 pace determinants. If they don't keep up, the consequences is that their workmates start losing pay. So you have this very intense working environments caused by the use of fear as a management tool. And of course, when workers in that situation put up their hand and say, I shouldn't be treated like this. This is a European workplace. I've got rights. What happens to them? What happens is they simply don't get called in for work tomorrow. Now, put that into the hands of a good lawyer, and they will probably be able to make something of it in a court. But in all honesty, the vast majority of workers know that that's what will happen to them. They'll know that they'll find it very difficult to find work again. Because the issue with these platforms is that they're hoovering up more and more and more of the market. They're owning more and more of it. There's no real competition in a lot of the areas. As I said to you, my life's a lot better than my parents' was. But recently, I decided I wanted to prove that Amazon was paying people in food with vouchers. So I went online and I said, I'm going to apply for a job, do a piece of work, and get paid in a food voucher. That was my plan. So I went online, and I have the screen grabs for all of this. So if there's any lawyers in the audience worried about what I'm saying, I can prove all of this. I went online
And I applied for a job, and I saw that I was going to be paid with a food voucher, or a voucher for something else. And I applied for the job, and it asked me a whole lot of questions, you know, who was I, this, and the other. So I used my Hotmail account, I said what was the type of work I was interested in doing, and gave a brief description that I was a lawyer, with some knowledge of health and safety and other issues, expecting the type of work I would be sent would be something like, can you read this contract or can you look at this plan or something like that. But what happened to me the following day was I got an email from them saying, you're not suitable. And we can't tell you why, because it's a proprietorial reason. So in other words, a trade secret. And I can't tell you, the blood ran to my toes. Because on the list of jobs that are going to be done away with by artificial intelligence, pretty high on the list are lawyers. We're always in the top five. So if I was to lose my job, and I couldn't get a job working on Amazon Turk, because, let's face it, they have a clever algorithm spotting out and discriminating against people. Yeah, that's happy to make that accusation. What's the future for me? And that's the question I really have for the European Union. How is the European Union even understanding those concerns that people have, those fears? The type of thing that when you wake up at 4 o'clock in the morning, your brain's got nothing else to do, but it starts worrying and fretting about those things. And I don't think I'm the only person worrying about this. I think these are the types of worries and concerns that people around Europe have, which is, what type of future for my children? What types of jobs? How will they be able to have a family, afford a home, a future? What will happen to me? Because I'm not going to make it to my pension if I lose my job. How will I afford the mortgage? What type of training? How is the European Union, how is my national parliament thinking about that problem for me? What type of solutions are we coming up with? And that's really why I think there's nothing like the type of scale and urgency, either in national parliaments or at the European Union. The European Pillar of Social Rights promises great things. But when it comes to the delivery, that's where it all falls down. So neither the law is up to it, neither the amount of finances are there. And Commissioner Tyson is right. There is money, but there's less money on social than there is for security. And money's been taken out of the social and being put into security. So we're not really putting humans at the centre. We're putting growth at any cost at the centre. We're not really willing to do what needs to be done. And I think that's why the upcoming elections are so important, because who everybody votes for matters. And if we vote for politicians who are going to put humans at the centre and who are going to bring in a commitment to solve the type of harsh, insecure workplaces, to make sure that there's a safety net, and to make sure that people have a future, I think then the European Union can get back to doing what I want it to do and what lots of working people want it to do. Our moderator asked some challenging questions around labour inspection, and the Commissioner made some points on those. On Monday, I met with the Austrian Chancellor, and he told me that the Austrian Labour Inspectorate, so all the power of Austria and its Labour Inspectorate, were able cross-border to get 2% of the fines. 2% they were only able to get. I remember the number because I couldn't believe it. I said 2, I made him say it a couple of times, 2%, 2%. So where employers had cross-border denied workers their rights, operated badly, and were subject to a fine, only 2% of that was capable of being chased down. And I think it's really important that the European Labour Authority that you're proposing comes into play. But I think 28 people sitting in Brussels or sitting in Bratislava or where they're going to be, you know, it's just not the size of the scale of the problem. It's an important piece of the puzzle, but it's not the size, scale, and urgency of the problem. Instead,
Or as well as, could we not be looking at making sure that member states have enough labour inspectors? The International Labour Organization says there should be no less than one labour inspector for every 10,000 workers. But if a national government tries to do that, your colleague will be there saying, oh, you can't be spending money because you've got the numbers wrong. You know, we have to get the GDP right. We have to get the fiscal space right. So I think that there needs to be some better joined-up thinking between the pieces of the European Commission so that all of the commissioners start cooperating and supporting the achievement of the social objectives. Rather than the social objectives, it seems to me always being at the end of the list and only when it's affordable and only when it becomes, you know, so when the unions put so much pressure on that there's some attention and notice given to it. But I don't want to sound like the trade unions don't have a role in all of this. We have. And it's really important that the pillar of social rights and indeed the future programme for the European Union allows the trade unions and the employers to play their effective role. I know there's a lot of interesting stuff being done here with the trade unions in relation to trying to help unemployed people back into the labour market. But there's an awful lot more that involving trade unions could help with. It could help with helping young people to advance in their careers. It can help with the just transition into a greener economy. If you look throughout Europe, the best leadership that's coming in relation to getting companies to change their approach is coming from the trade union movement, whether it's in the sunset industries or whether it's in replacing harmful reprotoxins, which I know we're going to be discussing on Monday shortly. So, colleagues, friends, that's my argument. My argument is that there's a lot more that Europe could be doing. There's a lot more that Europe has to do to be able to answer the questions that working people expect it to answer. Je vais vous proposer, je dois demander à quelqu'un de me dire si les questions sont de la salle sont posées les invités qui sont ici. Oui. It's better if you come back. If I come back and sit down. Because I will skip my question time for you because I think I have to give it back to the person in the room. Otherwise we will be too late, so it's better I think to do so. Donc, if you have to put your earrings back. So. Donc je vais vous demander de me dire les questions que vous voulez poser. Donc je vais en rassembler deux, trois, et puis on va s'adresser aux deux femmes, il faut reconnaître, hein, Madame Thyssen et Madame Lynch, de répondre à vos questions. Première question, Madame. Donc voilà, je me présente, Yacoubi Kenza, députée au Parlement bruxellois. Alors j'ai deux questions. L'une va être une question sur la question de la démocratie, puisque vous l'avez évoquée toutes les deux. Et Madame Esther Lynch a parlé des prochaines élections européennes, et c'est dans ce cadre-là que ce débat ce midi s'organise. Et donc je voulais partir du constat qui pour moi est un problème, c'est que donc nous votons pour des personnes qui vont nous représenter dans un parlement qui n'a pas de droit d'initiative, donc qui est lui-même donc soumis aux décisions que la commission et les commissaires prennent, qui eux-mêmes sont issus donc du conseil qui lui-même est le résultat des élections des États-nations. Donc voilà, je voulais savoir à ce niveau-là quelles sont vos positions. Ma deuxième question est la question plus socio-économique. Donc vous avez parlé justement au départ défendre le nous basé sur la question économique et l'évolution aujourd'hui dans laquelle on est. Et donc vous avez toutes les deux parlé de cette priorité de l'emploi et du social, des salaires minimums, de tous les instruments qui ont été mis en place. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est pas un leurre tant qu'on ne s'attaque pas à l'harmonisation fiscale de l'Europe? Alors, deuxième question. Oui. Bonjour, Marie-Laurène Barrette de la Confédération Construction. J'ai une question pour Madame la Commissaire. Vous avez évoqué les difficultés de trouver un compromis sur la directive détachement des travailleurs. N'avez-vous pas peur que ces difficultés aient un peu essoufflé les possibilités de trouver des compromis sur d'autres sujets liés à la mobilité des travailleurs, comme par exemple le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou alors l'autorité européenne du travail, où on voit que les discussions sont un peu
dure au sein du Parlement européen et des États membres, par exemple. Voilà, bon, on va déjà se tourner vers vous. Je ne sais pas si vous voulez la démocratie, un Parlement sans droit d'initiative, des instances européennes dépendantes un peu de, d'autres niveaux. C'est vrai que le Parlement européen ou un seul député ou bien une commission, quoi que ce soit, ne peuvent pas prendre des initiatives législatives, mais ils ont un grand pouvoir et ils l'utilisent aussi. Donc ce Parlement fonctionne. J'ai été membre de ce Parlement pendant 23 ans avant que j'ai commencé à la commission. Et il y a d'autres procédures pour inciter la commission, poser des questions, demander des choses dans les débats. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ceci? Aussi, cette commission a bien travaillé ensemble avec le Parlement pour constater, disons, ou présenter notre programme de travail chaque année, l'un après l'autre. On a été les commissaires compétentes avec les commissions du Parlement concernées. On a vraiment discuté, travaillé sur ce qu'on doit faire, ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment une grande influence de la part du Parlement, même avant qu'on lance des propositions. On travaille très bien ensemble. J'avais juste une petite question oui. complémentaire, parce que est-ce que vous avez le sentiment, maintenant que vous avez fait quand même beaucoup de lieux de pouvoir en Belgique et maintenant en Europe, que les parlements régionaux sont trop désintéressés des questions européennes, que peut-être qu'ici, les parlementaires bruxellois peuvent aussi, à leur manière, influencer un agenda européen et ne l'utilisent pas assez? Oui, je ne pense pas ceux qui sont ici, parce que ceux qui ne sont pas intéressés, probablement, ne sont pas présentes aujourd'hui. Hein. Mais c'est ce que je constate. Je pense souvent, je vois souvent, je constate souvent qu'il y a des politiciens d'autres niveaux qui sont très actifs et très bien là-bas, mais qui ne savent souvent rien du tout de ce qui se passe en Europe. Et ça, ce n'est pas bon, parce que c'est très important que la région, pour des choses pour lesquelles la région est responsable, qu'elle a aussi une voix qui va jusqu'à l'Europe. Donc, on doit en parler, on doit voir qu'est-ce que doit être la position de notre ministre qui va au Conseil. Hein. Donc, les parlements nationaux, régionaux doivent s'intéresser à l'Europe et je pense que là, on peut mieux. Je me rappelle d'une discussion ici avec Pierre Moscovici, où d'ailleurs les parlementaires étaient très actifs parce que là, il y avait un impact régional assez important sur tout ce qui était les règles d'investissement. Est-ce que vous pensez, vous aussi, Madame Lynch, que le Parlement européen est trop dépendant de ce qui se fait ailleurs, n'est pas assez vindicatif ou n'a pas assez d'initiatives propres? Il devrait avoir plus d'initiatives propres. My experience is that the European Parliament is pretty powerful. If it works as a block, so if everybody in the Parliament agrees on an amendment, it can radically change the proposal from the Commission. Of course, the makeup of the Commission changes according to who's elected into the next Parliament, so the flavour or the character will change. So I think that it's wrong to think that voting in the European election won't have a direct impact on the type of society that people would prefer to see. I think also it can sometimes be a three-ring circus over there, though it does sometimes feel like that, trying to find your way through the maze. And you think you've got agreement and there's a reasonable solution that will work for everybody, and then it goes to the council, which is the national parliaments or the national ministries, rather, and then just sometimes nuts stuff comes from there, and I'll give an example of it. So on the transparent and predictable working conditions, this proposal now that came from the council was to exclude everybody who had a contract for less than 5 hours a week. Now that's missing the point of zero-hour contracts. If you think that the solution isn't needed by people who have less than 5 hours. But what we really hope now is that the Parliament will push back on that and take that out. But making all the pieces work. And then I know when I meet working people and I describe all that to them, they look at me and they say, listen to yourself. You know, listen to all of this. Like, it sounds complicated. It sounds... So I'm saying that I just think people are losing patience with it, you know, and I think it's so important that before the next elections,
the people who are going to be standing and certainly be politically active campaigning for people. And when I'm knocking on doors, I want to be able to say what happened in the last 4 years that means that brings about a meaningful difference to working people. And I think if we can't do that, trying to explain why it didn't happen, they'll think we're part of the solution, part of the problem rather than the solution. So I think your question goes to the heart of what's at stake, which is how do we give people confidence that democracy is the solution. Vous craignez les élections prochaines? Do you fear the next elections, the European elections? Est-ce que vous avez peur? I'm afraid of this one and the one after. The reason for this one is because I think there are already lots of voices who blame the most vulnerable in our society. And I fear that they will get in, and I fear that it will drive a harsh decision-making that will make the problem worse. And then people get even more disillusioned. And then who will come after that will not have the values that the European Union was founded on at all. Madame Tissène, vous craignez ces élections qui viennent? Quand même un peu, parce que ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui disent aux gens qu'ils ont la solution, que c'est tout très simple. Mais ils n'ont pas de solution, ils ont des one-liners pour séduire les gens, disons, mais ils n'ont même pas une idée d'une solution. Et moi, je veux travailler, ou j'espère que le Parlement est plein de gens qui veulent travailler avec les autres institutions pour chercher des vraies solutions pour les problèmes, parce que c'est ça, c'est les résultats dont les gens, que les gens veulent voir. Ça rejoint la question de madame, l'harmonisation fiscale, parce que c'est là une des désillusions de ceux qui, à un moment donné, pensaient, et dont la presse, quelque part, a joué un rôle. On voulait rappeler quand même, la sortie des LuxLeaks au début, où Mme Vestager avait dit, à la sortie de ces révélations par 40 journaux, et dont je suis fière, le journal le soir en est, elle avait dit « Je vous remercie de me donner les éléments pour travailler ». Mais bon, est-ce qu'après, on pourra dire que c'est réglé? Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'harmonisation fiscale? Je peux dire que je suis pour. Oui, quand j'étais au Parlement, j'étais rapporteur pour la CCCCDB, c'est le Common Corporate Consolidated Tax Base for companies. And at least then you have the same. Let me see. On a la même assiette, la même base de taxation. Ça, c'est déjà un pas en avant. Donc il avait une proposition. Mais au Conseil, tout était bloqué parce que les États membres n'ont jamais trouvé un accord. Maintenant, Pierre Moscovici, mon collègue responsable pour le taxe, il a modifié un peu la proposition et c'est de nouveau dans les institutions pour être traité là-bas. J'espère qu'on va avoir ça parce qu'on doit commencer quelque part, mais on ne peut pas vivre, je trouve, dans un marché interne sans vraiment au moins une certaine harmonisation. On ne doit pas unifier tout, il doit y avoir un peu de tension, il y a des préférences qui peuvent être différentes, etc. Donc on peut laisser des instruments dans les États membres pour une grande partie. Finalement, eux sont responsables pour les impôts, ils doivent l'expliquer aux gens, mais on a besoin de plus d'harmonisation. Et en ce qui me concerne, moi je voulais aussi des revenus directs pour l'Union européenne. Je pense que ça aussi, c'est une partie d'une démocratie, qu'on est accountable for the money that you use. Mais on n'est pas encore là parce que les États membres ne veulent pas lâcher. Alors, Madame Lynch, too little, too late, l'harmonisation fiscale ne sera pas suffisant pour convaincre les gens qu'on a agi. I think that one of the biggest mistakes the European Union made during the response to the crisis was to remove and to ask various member states in Europe to remove the legal framework for bargaining on wages at a level above the enterprise sort of sectoral level. So instead of being able to bargain for all bricklayers or for all nurses or for all car workers or for all fast food workers, at a sectoral level, so for the whole country or region,
the European Union, as part of its response to the crisis, said, no, you'll have to get rid of all of that because it's too rigid. The consequence of that is that the way in which pay increases around the member states in Europe stalled and went backwards. And you have workers in Eastern European countries being paid less now than they were before the crisis, because the only way to increase that workers get a fair share of the profits is through collective bargaining. That's how you get the fair share. And so the biggest mistake of the European Union was to remove the ways in which workers get together and bargain for their fair share. And even though the IMF, the OECD, the ECB, everybody says there's something gone wrong with the model because we have all this growth and wages aren't increasing, even though the solution is staring them in the face, which is to put back sectoral collective bargaining, they're just not willing to get there and to put in the type of resources that are needed to help both social partners put back what was destroyed by the decisions and the recommendations coming from the European Union as part of the semester process. Merci. La question sur pour la Confédération de la Construction, question plus... Ça, j'avais pas bien entendu le début de la question. Ah oui, c'est madame de la Confédération de la Construction. Voilà. Vous voulez qu'elle réexplique? En fait, ma question, c'est de savoir si... vous avez dit que les discussions sur la directive détachement des travailleurs avaient été assez laborieuses au sein des États membres, mais aussi au sein du Parlement européen. Et du coup, ma question était de savoir si vous n'avez pas peur que la difficulté de ces négociations, et notamment un peu de l'opposition Est-Ouest qui a pu avoir lieu, aurait essoufflé en quelque sorte les négociations qui ont lieu actuellement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou sur l'autorité européenne du travail. Je ne sais pas si c'est clair. Non, je ne peux pas dire que j'ai peur de ça. S'il y a des différences d'opinion, de vision sur certains dossiers, bon, les différences sont là et on doit essayer de se retrouver mutuellement. Mais je pense même que pour certaines de ces choses, comme la coordination de la sécurité sociale, j'ai aussi des pays qui sont vraiment très contents avec certaines propositions ou avec des propositions qu'on n'a pas faites, comme indexer les allocations familiales. Il y a des États membres qui voulaient avoir la possibilité d'indexer les allocations familiales si les enfants de ceux qui sont dans leur système vivent dans un autre État membre où l'état de vie est un peu moins. Ils disent que ça doit être indexé. Nous, on a dit qu'on a des règles, on a des principes. Égalité, quand on paye, on contribue à un système et on paye des impôts même dans cet État membre, ça veut dire qu'on a aussi le droit aux mêmes allocations que les autres, que les collègues, disons. C'est un point de principe. Beaucoup de pays de l'Est, par exemple, ils savent très bien qu'on lutte pour ça. Et ce n'est pas toujours une division Est-Ouest, on ne peut pas dire ça. Je pense que si on fait la comparaison de temps en temps, c'est peut-être Nord-Sud aussi maintenant. Donc, ce n'est pas toujours Est-Ouest et on ne doit pas... Moi, j'essaye toujours d'éviter. Il faut, avant qu'on lance une proposition, on regarde un peu, naturellement, aussi qu'est-ce que ça signifie pour l'un et pour l'autre, nord-sud, east-west. On a des systèmes différents dans les différents États membres, mais ici, je ne pense pas que ça a un effet négatif sur les négociations sur les autres parties du paquet mobilier. Merci. Alors, j'ai deux doigts qui sont levés. Madame Heutebrook. Oui, merci beaucoup. Donc, Evelyne Heutebrook, députée régionale. En entendant nos deux intervenantes, je retiens en tout cas une grande notion, c'est la question de la transversalité. Et donc trois réflexions. Quand je voyais le titre Europe et protection sociale, comment les réconcilier? Et quand je vous entends, quand je nous entends, c'est aussi beaucoup plus profondément comment réconcilier aussi l'Europe avec les citoyens, mais pas seulement les citoyens. On a parlé des États-nations, mais aussi avec les élus, que nous sommes régionaux, et j'irai même plus loin, avec les élus locaux. Parce que je pense que c'est vraiment qu'on y arrivera uniquement que quand on aura beaucoup plus de liens entre le niveau local et le niveau européen du local au global. Deuxièmement, transversalité, vous avez parlé, Madame Lynch, de la coopération entre différents commissaires sur les questions de travail qui était absolument nécessaire.
y compris sur les secteurs peut-être à encourager. Vous avez cité la transition juste, vous avez cité la green economy. Et donc, je voulais savoir, Madame Thyssen, comment vous considériez, est-ce que vous sentiez qu'il y avait moyen de faire une transversalité entre les différents commissaires sur au-delà de ces matières, mais à partir de la question justement du travail, ou qu'il y avait plutôt un repli de chaque commissaire, ou bien que le système était fait qu'il y avait très très peu justement de collaboration. Troisièmement, j'ai beaucoup apprécié, et je salue votre phrase que je retiens, pour être appliquée, une loi ne doit pas seulement être bonne, mais elle doit être acceptée et même acceptable. Et donc je trouve la phrase effectivement très juste. Et justement en matière de concertation, que ce soit avec les représentants syndicaux ou avec d'autres secteurs, est-ce que vous n'estimez pas que peut-être que cette concertation arrive peut-être parfois trop tard dans le système? Voilà, et je voulais terminer en disant que je ne les connaissais pas, mais les chiffres d'emploi sur les femmes me sidèrent et me font penser qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Hello, my name is Anne-Laure Goeman. I'm also a member of the Brussels Parliament. I missed the beginning of the discussion, so I hope I'm not going to repeat anything that has already been said. But the things that were mentioned in the discussion about wages made me think of the whole discussion on the European minimum wage, because I think what was said about the fact that a lot of people in Europe want to tangibly see how Europe is making a difference is a question of also seeing that in what you are paid every month. And even though I strongly believe in collective bargaining, and I really think that the trade unions can make an important difference there, I think Europe can also make a difference by imposing national minimum wages, by passing legislation. I know that Commissioner Thyssen is in favor of asking the European countries that do not yet have a national minimum wage to do so. And so I wanted to take the occasion to ask where we are on this discussion and whether she sees any progress for the future. Thank you. Je voudrais poser une question à nos deux interlocutrices qui porte essentiellement sur le dialogue social européen et particulièrement le dialogue social sectoriel. L'expérience que j'ai eue dans les dialogues sectoriels, c'est que les choses se passaient de manière très positive entre organisations patronales et organisations syndicales, d'autant plus qu'on s'attaquait à des dossiers qui ne sont pas trop conflictuels, comme la sécurité, la formation, l'employability, pour le dire en anglais, responsible care, etc. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est dans quelle mesure les résultats de ces dialogues sociaux, qui sont assez positifs à la fois au niveau sectoriel et intersectoriel, influent positivement ou réellement sur la définition des politiques au niveau du Parlement européen et des États membres. Et la dernière question qu'on prendra pour aujourd'hui, monsieur. Yes, good morning. Dr. Manzoor from the Brussels Parliament, member of the Brussels Parliament. When we see the Eurostat figures of employment, they were showing in 2016, they were at their best at 71.1%, going from 60 to 81% from countries to another. We are very close to the Brexit. And we know that more than 2.3 million people from Europe goes to work in Great Britain. Have you already thought about what will happen, what impact will that have, the Brexit, on employment? And have you already thought about the steps you will take to counter this? Thank you. Merci beaucoup. Donc, la question de Madame Heuterhoven sur est-ce que les silos que dénonçait Nicolas Hulot dans sa démission en disant on travaille trop en silos et les durables ne sont pas du tout en phase avec ceux qui font l'emploi ou la fiscalité. Alors, est-ce que vous faites du durable? On essaye de l'organiser d'une façon meilleure. Dans cette commission, c'est la première chose que le président Juncker, le président de la commission, nous a demandé. Je veux que les silos soient démolis.
et je vous mets sur le même étage. Ceux qui sont un peu dans le secteur économique et social, disons, il faut partager le même étage pour vous faciliter, pour le rendre plus facile que vous allez boire un café ensemble, même à ce niveau-là. Donc, mais ça, on est organisé comme ça. Donc, il y a beaucoup de discussions entre certaines commissions qui sont un peu dans le même secteur, disons. Quand on parle l'approfondissement de l'économie sociale, disons, je suis ensemble avec Vestager, avec Moscovici, moi-même, Dombrovskis, de temps en temps aussi Katainen. Si on parle de l'énergie, hein, c'est pas, on dit oui, énergie, alors ils pensent peut-être pour moi aussi statistique, je suis aussi responsable pour les statistiques, pour Eurostat, mais aussi ça a un effet sur le marché du travail. On doit se préparer à un nouveau marché du travail qui est beaucoup plus vert que celui d'antan, disons. Donc on travaille ensemble, pas seulement au niveau des services, mais aussi au niveau des commissaires. La concertation sociale qui arrive trop tard ? Concertation qui arrive trop tard dans le processus ? Ça, je pense que on l'organise de la façon la meilleure possible. Donc on prépare, on se parle, on se voit souvent, donc on parle aussi des dossiers. Ce n'est pas juste la consultation formelle qui aide, mais la consultation formelle doit être là. C'est toujours en deux phases. D'abord, on dit on veut faire quelque chose dans le terrain pour trouver des solutions pour problème A, B, C. Et puis, les partenaires sociaux peuvent s'exprimer. Puis, on fait une proposition et de nouveau, on demande un avis avant qu'on le lance chez les législateurs. Donc, on essaye de faire, de la façon la meilleure possible. Mais c'est j'imagine que c'est jamais assez, naturellement. Mrs. Lynch, are you frustrated? Consultation too late not in the process? Or not too much, I hope. Not enough? I think the silos question is an important one, because it's not just about silos, it's about what comes first, what's most important. And I know in the Parliament of the last 2 days there's been this discussion about post-growth. And I know that our point of view is, you know, we need to get post the growth at any cost approach. So if we take pensions, if you have one commissioner who is in charge of the adequacy of the pension for the person, and you have another commissioner who's in charge of the sustainability of the pension system, and the commissioner that's in charge of the sustainability of the pension system has all the power and influence, yeah, that's the choice. So architecture matters, yeah? So, but all of that could change according to who the commissioners are and about the makeup of the parliament. So if people of Europe want to make the choice, which is to say, well, actually what comes first is the adequacy and dignity of people in their old age, and that we need Europe to stand up more for that than to say to member states, well, you have to fix the fiscal space and it's up to you how you fix your fiscal space, but you better fix your fiscal space. People smell a rat in all of that, and people say, well, if it's not enough for the European Union to put all of its energy into looking at the fiscal envelope, and they've got to have some very nice words about adequacy. Madam Tissé? Yeah, just a little word to answer to Esther. I hope that you agree with me that when I say the attention we pay to adequacy, that it is far higher than what it was 5 years ago. Yes. And I think it also helps when you have good relationships among commissioners, because it's you have your structures, but you have also the human beings that are responsible for those in those structures. And if you understand each other and you go for the same goal, then you can balance things in a better way. And I think on pensions, for instance, this is now working. Alors, testons le salaire minimum. Le salaire minimum, là, bon, on ne peut pas obliger les États membres ou les partenaires sociaux d'installer un salaire minimum, mais on les encourage. Donc aussi dans nos country-specific recommendations, nos recommandations aux pays membres dans l'exercice du semestre, on regarde ça et on donne des commentaires et on dit serait mieux de faire ceci ou de faire cela. Donc on stimule les États membres, on les aide aussi avec des fonds pour
développer ça, pour avoir un échange de vues, pour apprendre comment ils l'ont fait dans un autre pays où ça existe déjà. Donc on les stimule, mais on ne peut pas l'imposer. Mais c'est vrai que ce que dit Mme Lynch par rapport à ça, c'est qu'évidemment, s'il y avait une parole plus définitive, les gens se diraient, ah ben c'est la priorité. Je sais que c'est, le processus est celui-là, mais en termes de communication ou de persuader les gens que le projet européen est celui-là, fatalement, il est laissé un peu... aux aléas des uns et des autres. Mais je pense pour l'instant, je dois regarder de nouveau mes statistiques, disons, mes chiffres, mais je pense que presque dans chaque État membre, on l'a mené. Mm-hmm. Naturellement, on peut discuter du niveau, ça aussi, mais là, oui. L'évolution ou les possibilités de capacité des différents États membres est naturellement pas la même, mais ça va aussi nous occuper, je pense, mm-hmm. dans les années qui viennent. Hein. Plus d'égalité, un peu dans les salaires, par exemple, les salaires de quelqu'un qui travaille chez un assembleur de voitures dans le pays A et les autres qui travaillent pour la même entreprise en pays B. Est-ce mm-hmm. que c'est normal qu'il y ait une différence de salaire de je ne sais pas combien de pourcentage? Mm-hmm. C'est le débat qu'on va avoir, qui a été lancé, je pense, et mm-hmm. ça va nous occuper aussi. Mme Lynch? Two issues then on minimum wage I think are relevant to the considerations in this parliament. One is who should be entitled to it. So if the idea of minimum wage is that an hour of work is entitled to a level of dignity below which no employer should be able to pay somebody, that should surely apply equally to self-employed people. So it's, the minimum wage is not just about how much it is, it's about who else gets it. The second point then is that I think the trade unions in America have this fabulous campaign, I don't know if people have heard of it, called the Fight for 15, so everybody there is fighting for $15 an hour. I think we're struggling about the idea of setting a single number for Europe, but I am thinking this, is that surely a living wage would be able to set certain criteria, such as how long should you have to work before you could afford a litre of milk? And already in Europe, the difference is in some places it's 5 to 10 minutes, and in other places it's a couple of hours. So we should be able to, in terms of looking at what type of Europe we want, we should be able to say, well, how long should somebody have to work before they can afford the basic necessities? And everybody should be entitled to that for their hour of work. I mean, it's a human dignity, human rights perspective. Thank you. Madame Tizen, si vous voulez répondre aux deux dernières questions, après j'en ai une toute petite pour vous, mais c'est pour mieux comprendre. Il y a une chose que je ne comprends pas bien, je vais vous le demander. Donc, d'abord la question sur la concertation intersectorielle, posée par monsieur. Si on fait l'évaluation, et on va le faire et on est en train de le préparer du dialogue social, ce qu'on trouve, c'est très important. Dans cette commission européenne, on voit qu'il y a plus de succès dans le dialogue sectoriel que le dialogue intersectoriel. Mais c'est naturellement pas seulement dans nos mains, c'est aussi dans les mains des partenaires sociaux. Pour négocier, il faut toujours être au moins à deux. Le Brexit? Le Brexit, oui. Naturellement, personne ne veut. Hein. C'est une décision du Royaume-Uni, disons. Et ce qu'on fait... Donc, même pour l'accord sur le divorce, disons, on avait dit qu'il y a trois choses qui sont vraiment le plus important pour nous du côté du continent, disons. Et c'est d'abord, un de ces trois points, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui travaillent au Royaume-Uni ou ceux du Royaume-Uni qui travaillent chez nous. Là, le principe est qu'ils gardent leurs droits et qu'ils peuvent continuer à travailler où ils travaillent et qu'ils peuvent aussi garder les droits qu'ils ont obtenus et qu'ils peuvent plus élaborer ou plus accumuler. Accumuler sur le même, de la même façon que ceux qui sont d'origine, qui sont de là-bas, disons. Mm-hmm. Oui. Alors, avant de vous remercier tous et de rappeler quel sera le prochain rendez-vous, Mme Thyssen, le Premier ministre, cher Michel, a annoncé, je pense, ce matin qu'il allait consulter au niveau Benelux sur le changement d'heure. Je me suis dit, je n'ai pas prévenu. Et donc, ce changement d'heure, moi, je n'arrive pas à comprendre si le fait que nous soyons consultés et que finalement les États membres vont décider tout seuls, si c'est une formidable idée de démocratie proche et qu'enfin on va pouvoir avoir un mot à dire, ou si au contraire c'est l'ultime incarnation du fait que l'Europe n'arrive pas à choisir.
ou c'est peut-être la Commission qui se dit « Ah, vous êtes si malin, démerdez-vous, c'est pas si facile d'avoir un consensus ». Mais vous pouvez ne pas répondre, hein, si vous voulez. Oui, je vais essayer d'être court. Donc, on avait une consultation européenne. Ce n'était pas la première chose, le premier acte dans ce dossier, disons. Depuis des années, chaque fois, quand on change de l'heure, il y a des gens qui nous envoient des dossiers, des études qui sont faites. Les uns disent que c'est une bonne chose, les autres disent que c'est très mauvais pour la santé, pour d'autres choses, etc. Donc, finalement, on a dit en Europe, voilà, on va se préparer, on doit faire une enquête, nous. Le résultat est ce qu'on a entendu dire, mais on ne s'est pas seulement basé sur cette consultation européenne qu'on a faite pendant l'été, mais aussi sur tous les autres dossiers qu'on a déjà vus passer les années précédentes. Maintenant, il y a une proposition, donc c'est aux États membres et au Parlement aussi de s'en occuper, disons. Qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'espère que tout le monde va être sage, qu'on regarde aussi. Est-ce que c'est agréable de rester un peu plus long à la terrasse ou aux terrasses le soir, mais qu'on regarde un peu qu'est-ce que sont les conséquences économiques, sociales, etc. Quelle est la meilleure solution ou décision pour la santé des gens, etc. Donc, on va voir. Mais j'espère que d'abord, on prend une décision à base des choses sérieuses et deuxièmement, qu'on s'accorde naturellement entre États membres. Oui. Déjà maintenant, les États membres peuvent faire un certain choix. Il y a une différence, mais ce qui était obligatoire, c'était de changer l'heure au même moment. En été et bon, en avril. C'est que ça a l'air octobre. Anecdotique, mais en fait, ça a un impact économique, social, de consommation. Madame Lynch, le syndicat dit quoi? Yeah, I struggle to know what was the question that to which the answer was. Let's ask people what time they want. Do you know, the struggle is, but once you've asked people, you can't ignore it. So, and then what comes into play, and I know it's on the agenda for our Health and Safety Committee, and so I asked, is it more safe if you change the hour? Is it less safe? And you're right, you get equal scientific answers. Fanatique. But just as a general personal gut instinct, I think it's a bad idea if you've neighbouring towns on different time. You know, that's going backwards, not forwards. So you'd have a train that would travel through two or three time zones, and it would change as it's moving along. And I know people would say, well, that happens on an airplane. Well, it doesn't really, because you get on and you get off an airplane. If you're on a train, people are getting on and getting off, and so is at what time? But when you ask people a question and they democratically answer it, you have to come up with a good reason why you didn't take that into account. Brexit. Clogs. Brexit. if you're going to talk about asking people a question. I will not ask you. Running out. I say Brexit and Clogs because you have to follow what people decide. Monsieur Piquet, vous voulez le clôturer? Alors, je vais remercier Madame Thyssen, Madame Lynch. Je vais aussi les remercier, je ne sais pas si je peux le faire en votre nom, pour leur sincérité, parce qu'on connaît des modes d'expression moins sincères et moins vrais. Donc, j'ai l'impression que vous avez donné les réponses que vous vouliez vraiment donner aux questions posées. Donc, c'est extrêmement précieux, par ailleurs. Et je rappelais que le prochain rendez-vous est donc un rendez-vous sur la démocratie, le 25 octobre, avec notamment Pascal Perrineau, Sophie Marienne, Dimitri Lemaire et Jean-Benoît Pilette. Et toujours Charles Piquet. Merci.